Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui devant tout un tas de squelettes. J'en ai environ 185. Ok, je suis resté à FK pendant un moment. J'avais besoin d'un petit peu d'XP. Alors voilà, c'est parti. On va taper tout ça. Je sais, c'est moche, mais tant pis. Alors, pendant que je massacre du squelette, quelques infos techniques. Tout d'abord, j'ai migré mon serveur en version 1.5.2. Et pour une fois, j'ai tenté de ne pas utiliser Optifine. Alors, je vais peut-être perdre quelques FPS à cause de ça, je ne sais pas, mais je vous avais dit récemment que j'avais quand même des problèmes de consommation, surconsommation CPU de la part de Minecraft. Voilà, donc j'ai apporté une autre petite modification technique pour voir si ça marcherait mieux. Donc on va voir ça ensemble. Cet épisode va servir de test un petit peu pour moi. Autre chose, je vais essayer d'utiliser un autre logiciel de montage que Movie Maker, parce que Movie Maker j'en ai un peu marre, je dois le dire. Bon, je crois que je vais pas récupérer cet arc, tant pis. Oh là là. Ah oui, ça a été... Ah oui, je peux pas le récupérer parce que je suis plein. Ok, en tout cas, ça a été rapide à tuer. Alors, voyons, qu'est-ce que j'ai récupéré? Des tonnes d'os. Un arc. Ouais, bon, bah, rien d'exceptionnel, a priori. Alors, on va se débarrasser de certaines choses, comme ces arcs non enchantés. Hop, hop, hop. Hop. Bon, faut pas que je me débarrasse de mes meilleurs arcs. Celui-là, je vais le garder. Ça pourrait être utile éventuellement. Hop. Bon, au niveau des FPS, ça a l'air de bien tourner en tout cas. Ça, c'est cool. Cet arc-là, je vais le ranger ici. Et je voulais faire un test, justement, on va faire ça ensemble. Alors, j'ai pas terminé mes explications. Oui, donc, Movie Maker, bah, j'en ai un petit peu marre, donc je vais tester un autre logiciel. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous trouvez quelques différences dans le montage de cet épisode. Enfin, il faudra déjà que je réussisse à le monter, mais bon, ça devrait marcher. On verra ça, je passerai le temps qu'il faut. Voilà. Hop, je fais le rangement. Alors par contre, c'est vrai qu'au niveau stockage maintenant, sachant que je suis plein en flèches dans ce coffre du bas, je suis obligé de monter au-dessus. Ah, et en voilà encore. Bon, allez, on va arrêter le spawner, là. Sinon, je vais passer tout l'épisode à taper du squelette, ça va pas être très intéressant. Allez, hop, désactivation. J'en profite pour vous faire remarquer que j'ai un petit peu travaillé la déco de ma base. Voilà, alors je suis resté dans les blocs de pierre et de cobblestone pour garder l'aspect grotte initial, mais voilà, j'ai rendu les choses un petit peu plus propres, de la stone lisse au sol et au plafond. Un tableau que j'ai mis en place tout à l'heure avec une jolie perspective, ça fait un petit trompe-l'œil que j'aime bien. Voilà, j'ai rendu les choses un peu plus propres, comme je le disais. Et alors, pour aller recharger, ou plutôt aller stocker mes flèches, je suis obligé de monter là. D'ailleurs, ici, ça suffit. Et voilà, je peux ranger tout ça. Alors, je vais garder ça sur moi. Voilà. Il va falloir que je mange avant de partir. Ces derniers temps, j'avais joué un petit peu
Alors là, pour le coup, réellement hors caméra, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai passé pas mal de temps sur des systèmes Redstone, et là, j'ai envie. Allez, celui, je vais m'en débarrasser. Hop, on s'en fiche. J'ai envie de revenir à un petit peu d'exploration. Ce qu'on va faire aujourd'hui, et donc, comme je vous le disais, j'ai exploré un petit peu les alentours, à l'extérieur, j'ai rien découvert de franchement exceptionnel ou passionnant. Donc, aujourd'hui, on va aller visiter cette fameuse mine abandonnée que j'avais découvert à côté, dans le bastion, en fait, à côté du portail qui mène vers l'End. Mais avant cela, désolé, je m'embrouille un petit peu. Oui, j'ai revu un petit peu l'aspect esthétique de ma machine à légumes et à céréales. Voilà, pour éviter un petit peu tous les trous qu'il y avait avant. Donc du coup, j'ai réduit la taille des coffres. Et je dois dire que même avec des simples coffres, c'est quand même largement suffisant en poudre d'os. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, on va aller à présent à la maison. Alors, il faut que j'emporte deux choses avec moi. Et je vais prendre justement ces arcs Power 1. Parce que récemment, en fait, j'ai obtenu de la part de mes amis squelettes un arc enchanté. Je crois que c'était Power 2. Et puis, je me suis rappelé qu'avec les... comment on appelle ça déjà? J'ai un trou de mémoire. Avec les enclumes, effectivement, il était possible non seulement de réparer les objets, mais également de combiner les enchantements. Et du coup, comme j'avais déjà un arc enchanté Power 2, j'en ai combiné deux et ça m'a fait un Power 3, tout neuf. Voilà, donc là j'aimerais voir si, si en combinant ces deux Power 1, j'obtiendrais bien un Power 2, ce que je crois. Et je voulais également me fabriquer, à moins que j'en ai déjà une. Non, ça, ah si, j'en ai une là. Ouais, et ben, éventuellement je vais combiner les deux. Et l'enchanter. Voilà, il me faut une hache. Si la mine abandonnée est un petit peu grande, j'en suis pas persuadé, mais on va voir ça. Je vais en profiter pour récupérer du bois. Alors, voyons déjà avec nos deux arcs. Et voilà, un Power 2 avec un coup de 4. Et ben alors ça, c'est génial, franchement. Et voilà, et puis on va réparer la hache. Voilà une hache toute neuve que je vais enchanter. Eh bien, je suis relativement bien équipé. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire une hache en diamant, mais je crois que je vais quand même réserver un petit peu mon diamant. 30, ça vaut peut-être pas le coup. Allez, je vais en passer. Oui, excellent. Unbreaking 3, efficiency 3. Eh ben, génial. Génial, génial. Bon, je vais garder mon arc là. Hop. Eh bien, écoutez, je crois que je suis fin prêt. Alors, c'est parti, mon kiki. Suce au bastion, si vous me permettez l'expression. Zou, on y retourne. Et on va aller voir ce que nous réserve cette mine abandonnée. Alors, c'est par où? C'est par là. Alors, par contre, ce que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est que le Nether met pas mal de temps à se charger, donc j'avais des gros bugs de chunk, on va dire. Ouais, c'est un petit peu lent. Bon, on va faire avec, hein, tant pis. Allez, je cours. Direction le bastion. Alors, si vous avez loupé les dernières avancées, mon
L'accès au bastion se situe ici. Alors je pensais éventuellement me construire un système de rails, éventuellement pour me déplacer plus rapidement, mais bon, ça reste optionnel on va dire. Et nous voici arrivés. Alors au niveau des yeux, je n'ai pas avancé, il m'en manque... Ah mais si, il m'en reste 5. Voilà, il m'en reste 5 à trouver avant de partir explorer l'End pour la première fois. Mais ça n'est pas pour tout de suite. Alors voici cette mine abandonnée. Oh, il y a du monde. Ça me plaît bien. Je crois qu'il va y avoir de l'action. Alors, là j'espère éviter les silverfish. Alors ce qu'on va faire éventuellement... Voyons, où est-ce qu'il faut que je creuse? Ouais, bah la limite là-dessous, ça me paraît pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais monter en hauteur. Hein? Vous allez me dire que je manque de courage, mais j'ai pas envie de réveiller encore tous les silverfish du quartier. Allez, on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est bon, pas de silverfish. Autre réflexion que je me suis faite récemment, c'est que, bah écoutez, depuis le début de la série, je ne suis pas mort encore, pas une seule fois. Donc ça c'est la bonne nouvelle, la mauvaise c'est que ça finira bien par arriver. Et bah écoutez, si ça se trouve, ça va peut-être se passer aujourd'hui, je n'espère pas, en tout cas je vais éviter. Ok, alors comment on va descendre? Je vais peut-être éclairer ça un peu. Ah, je voulais reprendre un peu de charbon. Ouais, tant pis, hein, trop tard. Alors on va se faire des marches comme ceci. Voilà. Salut toi! Ah bah attends, j'aimerais bien te taper. Viens. Non. Ouais, je suis pas sûr qu'elle soit énorme cette mine. Parce que là. Ça se trouve, ça mène, pour ainsi dire, nulle part. On va voir ça. Hop. Et tac. Et ben là, il est capable de passer, non? Oula. Oh. Et ben ça va que j'ai une belle épée, hein. Parce que, waouh. Ok, bon bah. Ça commence fort. Waouh. Oh lolo. Ah bah dites-moi en tout cas, Il y a du monde. Voilà, je vais éviter de m'approcher. Oh, allez, bah voilà. Bah tiens, je vais en profiter pour récupérer du charbon. Là, je vais me refaire dardard des grottes, n'importe quoi. Des torches. Hop. Un petit peu ici. Oh, ils sont passés où? Bon, je ne sais pas. J'aimerais bien éclairer ça un petit peu, si possible. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant en bas? Je ne sais pas, à part du lapis-lazuli, mais... J'en ai déjà suffisamment. En tout cas, c'est bien joli, ces chutes de lave. Bien joli, et moi... ok, je suis tombé de là-haut. Ouais, alors... bah, pour ce qui est de la mine abandonnée, je crois que ça va pas aller bien loin. Hein. On va regarder ça. Alors, il va me falloir de l'eau. Je vais essayer de circonscrire cette chute de lave. On va faire ça comme ça. Ah, si je peux récupérer la source d'eau, ce serait bien. Source d'eau. Allez. Hop, voilà. Ah, c'est efficace. J'aime. Je vais aller voir de l'autre côté, tiens, ce qui se passe. Je vais éviter de passer trop près de la lave. Alors, si je fais comme ça... Oh. J'adore Minecraft, j'adore.
Et de la toile d'araignée. Ok. Alors récemment, on a joué avec mon fils, on s'est créé une nouvelle partie survival, et j'avoue qu'on s'est bien amusé. Le temps d'un week-end. Et c'est vrai que ça m'a redonné l'envie de partir un peu en exploration. Alors... Tac. Hop, hop. Évitons les accidents bêtes. Bon, voilà, je n'y passerai pas. Je vais éclairer un petit peu ça. Est-ce que je peux... Ce serait sympa, là. Hop. Voilà. Alors, qu'y a-t-il de l'autre côté? Là, j'avoue que... Voilà, puis la lave qui est à ras, là, ça me plaît pas du tout, ça. Paf, paf. Allez, hop. Hop. Évitons de nous cramer. D'ailleurs, je vais bloquer ça comme ça. Voilà. Oh, 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 oh. Hop, 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 hop. Elle est morte? Elle est morte. Ah, encore du lapis-lazuli. Bien. Ça ne m'intéresse pas. Alors, on va éclairer ça. Si. Où est-elle? Ah, si, 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 la mine abandonnée est bien là. Au-dessus de moi, mixée avec une crevasse, ça arrive. De la flotte un peu partout. Ce que je vais faire éventuellement, c'est bloquer le courant. Aïe! Bloquer le courant, disais-je. On va faire quelque chose comme ça. Quoi qu'au niveau maîtrise des courants d'eau dans Minecraft, je suis pas forcément très 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 fort. Allez, on va se faire un truc comme ça. M'empresser d'éclairer. Alors, le désavantage à ne plus utiliser Optifine, mis à part le fait que je perds éventuellement quelques FPS, le désavantage c'est que je perds la fonction zoom que je trouvais pourtant très pratique. Mais tant pis, en tout cas ça a l'air de pas mal fonctionner là. Alors, est-ce que je peux... Oui. Voilà. Magnifique. On va se faire quelque chose comme ça. Et si je fais ça. Hop, hop, hop. Et voilà. Joli. Joli, joli. Je vais me refaire tout de suite. Ah, j'ai pas beaucoup de bois non plus. Ah, c'est vrai que je suis parti un petit peu la fleur au fusil. J'espère ne pas le regretter. Allez, de la torche. Ça, je vais en avoir besoin, c'est sûr. Le fer, ne jamais cracher dessus. Ouais, bah je crois que la mine, on va vite en faire le tour. Là, il me semble que... Ouais. C'est un joli cul-de-sac. Allez, on va éclairer ça. Hop, ouais. C'est la fin. Bon, alors je vais remonter de l'autre côté. Quand même regarder que je n'oublie rien d'intéressant. Un petit peu de charbon. Allez, hop.
Et voilà. Du charbon encore et encore. Ouais, pourquoi pas un petit peu. Bon, finalement, ça commençait fort avec avec le zombie et le squelette, mais depuis, plus rien. Bon, je vais laisser le charbon. Comment? Ah bah, ça va être simple. On va creuser dessous. Et voilà. C'est vrai que j'aime bien me débarrasser de l'eau, généralement. On va faire... Voilà, ok. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que... Hop, bon, donc ça veut dire qu'il y a encore du monde au-dessus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, là, je devrais pouvoir libérer l'eau sans souci. Bon, finalement, je m'en sors pas trop mal avec l'eau. Enfin, ça dépend. Ça dépend des moments. Le lapis, c'est joli, mais c'est tout. J'ai cru voir une goutte d'eau. Non. J'ai peut-être rêvé. Alors maintenant, il va falloir remonter ici. Bien. Eh ben, on va se faire un ascenseur, qu'en dites-vous? Un ascenseur. Bah d'ailleurs, je vais, tiens, utiliser un petit peu ça. Voilà. Alors, je remonte par ici. Bah, je vais encore utiliser le gravier. Profiter. Aïe! Quand même un matériau qui est pas extrêmement utile. Éventuellement pour se faire des flèches. Waouh! C'est beau! C'est beau mais dangereux. Allez, on retourne. Bon bah là il faut que. Hop! Bon, je vais continuer avec le gravier. Ok. Alors, alto gravier. On va se faire quelque chose d'un peu plus sympa comme ça. Je crois que je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Hop. Allez. Et voilà. Bien. Alors, l'étoile d'araignée, je n'en ai pas besoin. Et là, ça va être un numéro d'équilibriste. Je vais quand même essayer de me débarrasser. Enfin, débarrasser, façon de parler. Ah, c'est vrai que si je bouchais ça, ça pourrait être sympa, finalement. Qu'est-ce que ça va donner? Ça marche! Regardons ça ensemble. Une chute de lave censée mourir mais qui ne meurt pas. Ça, c'est un grand classique. Ouais, d'ailleurs, je ferais bien d'éclairer avant de tout éteindre. Là, c'est bon. Eh bien, bah tiens, on va faire un petit test avec de l'eau juste au-dessus, là, par exemple. Bon bah il n'y a plus de lave. Il y a eu de la lave, il n'y en a plus. Ok, allez, on continue. J'ai bien récupéré mon eau, oui. Et donc je pense que là, voilà, je peux continuer. Voilà. Celle-ci va disparaître rapidement. Un petit peu de lumière. Hop. Ah là là, j'ai peur qu'elle soit pas folichonne, cette mine abandonnée là.
C'est dommage. Ouais, d'ailleurs, je vais aplanir tout ça. La vache. Oh la catastrophe. Oh merci, alors merci. Merci la potion. Oh punaise. Et un creeper. Alors toi c'est pas le moment, mais vraiment pas le moment. Là si tu veux, là je suis un petit peu sous tension. Banzai! Tiens, ça le prive. Oh le piège! Le piège! Ok, alors oh. Ah c'est pas vrai ça. Allez, on va se débarrasser de cette foutue lave. Ah la vache! Alors là le flip, là je pensais effectivement rencontrer ma mort, vous voyez? Et ben là je m'en sors mais plus que bien. Punaise. Et ben merci la potion, hein. Je me répète, mais alors là, waouh. Ah du fer, tiens. Ouf, bon. Finalement il y a un petit peu d'action. Allez, on continue. Je continue. Nous continuons. Tous ensemble. Bon, je casse volontairement ça pour me refaire un petit stock de cobble. Là, ce sera toujours utile. Ok. Je vais quand même me méfier. J'espère qu'il reste pas de lave là-dedans. Non, j'ai pas l'impression. Eh ben. Là, si. Non? Ah non. Non, ok, bon, je crois que la lave est définitivement morte. Tant mieux. Minecraft est un jeu dangereux. Ouais. Vous avez beau être suréquipé comme je le suis, ça reste toujours... toujours dangereux, je me répète, mais... Allez. Cobble. J'en ai besoin. Peut-être. En tout cas, je pense que je ne vais pas en manquer maintenant. Bien. Hop. Éclairage, là, par exemple, ou là. Bon, ben maintenant il faut que je remonte, super. Ce serait sympa qu'ils inventent le grappin dans Minecraft. Ça serait sympa. Alors là, par contre, ça va être. Oh là là, mon dieu. Descends, colonne. Ça c'est pratique. Alors je vais remonter. Ah ouais, j'ai encore plein de cobble, c'est cool. Bon bah le mieux serait de remonter à ce niveau là, précisément ici. Allez, hop. Ok. Bon. Il me reste combien? Encore 3 minutes 40 de fire résistance. Bon, c'est dommage, c'est un peu gâché, mais... Bon, faut pas dire ça, hein, ça m'a sauvé la vie, là, quand même. L'air de rien.
Voilà, je suis pas sûr de récupérer les blocs de cobble. Peu importe, là aussi il y a un trou. Allez, je continue. Alors, je vais continuer le petit chemin là. Voilà. Ah oui, super, super, ça continue. Eh ben écoutez, je suis pas sûr de faire un épisode court finalement. C'était un peu mon intention, mais je crois qu'il y aura peut-être matière à explorer là. Alors mon souhait serait éventuellement, zut, serait de trouver un spawner à araignée bleue. Et ça je l'ai trouvé avec mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas ces bruits. Ouais, j'en ai trouvé un dans la partie qu'on s'est faite à deux. Et on a dû arrêter de jouer avant de pouvoir le... Comment dirais-je? Pas l'exploiter encore, mais... En tout cas, le désactiver en l'illuminant suffisamment. Ça, c'est une partie à laquelle on reviendra prochainement. Voilà. Toujours aussi sensible, cette pioche. Bon, je vais dégager un petit peu ça, parce que là, je préfère voir loin. Ça pourrait éviter une mauvaise surprise. Alors, du fer. Ce que j'aimerais bien aussi découvrir... Ouais, super. Merci de me fermer la porte au nez. Ce que j'aimerais bien découvrir, c'est... Ah! C'est des coffres. Alors, quoi au-dessus? Ouais, pas grand-chose. Non. Même que dalle. Allez. On va éclairer des fois que. Peut-être éclairer là aussi. Je récupère mes torches. Hop. Alors, où cela nous mène-t-il? Ça continue. Chouette, chouette, chouette. Allez, je récupère. Les rails. Alors, les rails, ça me fait penser à autre chose. Quand j'ai débuté la série, je vous avais expliqué que toutes les constructions avaient été faites en survival, à part le mycélium dans l'enclos à vaches à côté de la maison. J'avais oublié quelque chose qui a été construit en créative avec mon fils il y a fort longtemps. C'était en fait justement un réseau ferroviaire qui mène de ma maison à des grottes qu'on était parti explorer avec mon fiston. Et c'est vrai qu'on avait décidé de pas construire des rails avec beaucoup de fer, parce que ça, justement, ça demande pas mal de ressources. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose derrière ça. Pas sûr. Ah! Regardez-moi ça. Ça vous évoque quelque chose, ça? Voilà, donc oui, ce que je disais, c'est oui, on avait effectivement construit ce réseau ferroviaire en créative. Voilà, donc c'est les deux seules exceptions. Pour le reste, tout a été fait à la main. Alors attendez, là j'ai un gros. Elle est passée où ma hache? Non, c'est pas possible. Mais je l'ai oubliée quelque part ou quoi? Non. Mon Dieu. Attendez, là, j'ai pas mes lunettes, mais... Bon. Je voulais prendre le bois. Sans hache, ça va pas être super pratique. Ok, écoutez, là, ça ressemble... Alors, soit c'est un... Ah, remarquez que ça pourrait être...
éventuellement un morceau du bastion. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. J'ai tout de suite pensé à un donjon, mais finalement... Ah non, 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 ça doit être du bastion finalement. Surtout que je colle mon oreille, mais j'entends rien. Ok, bon bah écoutez, on en reste là pour cet épisode. Et je vais rechercher ma hache. Je sais absolument pas ce que j'en ai fait. À mon avis, elle doit être restée à la maison. Oh, mon Dieu. Bref, on verra ça. Écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Déjà, pour aller voir ce qui se passe derrière ce mur. Qu'est-ce que ça cache? Ah non, non, ça doit pas être un... C'est pas un bastion. Bref, on verra ça ensemble la prochaine fois. À bientôt.